Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle queue, voilà, la laisserons-nous danser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Elle avait 13 ans, Sainte Philomène est allée voir un prince. Puis la trouvait tellement belle qu'il voulait la marier. Mais Philomène, elle refusait, elle, parce qu'elle avait promis de donner sa vie au bon Dieu pour aider les pauvres. Le prince, il était pas content. Il l'a mise dans une prison pendant des jours, puis lui a fait du mal pour qu'elle meure de ses souffrances. Juste parce qu'elle voulait pas le marier? Mais Philomène, elle a prié tellement fort qu'il y a deux anges déguisés en oiseaux qui sont venus effacer toutes ses blessures. Le prince, quand il a vu ça, il lui a fait couper la tête. Mais le bon Dieu, il aimait tellement qu'il a fait d'elle une sainte. Qu'aujourd'hui, quand on veut quelque chose, ben, on prie Sainte Philomène, puis elle nous accorde tout ce qu'on demande parce qu'elle a tellement souffert que le bon Dieu ne peut pas rien lui refuser. Voilà, vous partez. À Sainte-Philomène de Fortierville. Pardon? Bon, c'est pas le Vatican, mais il faudrait quand même que les Canadiens français profitent un peu de vos connaissances, non? J'aimerais savoir comment mes longues études en théologie ou en philosophie pourront aider les agriculteurs de Sainte-Philomène de quoi déjà? De Fortierville, mon cher. La santé du curé Grondin n'est plus ce qu'elle était. Il faut le remplacer. On a pensé à vous. Et le Vatican dans tout ça? La promesse. Oh, vous savez, le Vatican. Il y a beaucoup de monde au Vatican. C'est la guerre, mon cher. Les pauvres agriculteurs ont besoin d'une personne de votre stature pour pouvoir mieux les éclairer. Et je vais leur dire quoi, ces pauvres agriculteurs? Que l'assassinat de François Ferdinand par les nationalistes serbes était une erreur? Que les Français ont pactisé avec le diable en s'alliant avec les Russes? Ce serait une grave erreur d'insister, mon cher. Vous partez à Sainte-Philomène de Fortierville. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours vous enrôler dans l'armée. La vérité, c'est que je dérange ici. Vous détestez ceux qui réfléchissent, ceux qui remettent tout en question. Vous préférez les jeunes curés qui boivent vos paroles en s'imaginant un jour prendre votre place. Très peu pour moi, merci. La belle queue, voilà, ira les ramasser. Entre dans la danse, voyez comme... Qu'est-ce que tu fais, Aura? Je les sépare. Pourquoi? Parce qu'il faut pas les mettre ensemble. Si on les met ensemble, tu vas voir le bouquet. Tu vas plus voir les fleurs. Aura. Lucina, sors, je les vois. Maman, est-ce que je suis belle? Mais oui. T'es belle comme un carton. Merci de l'espoir. Aura, viens voir. J'ai pas besoin de me regarder. Je sais de quoi j'ai de l'air. Bon, ben là les enfants, faut se dépêcher, on est en retard. Ben oui.
sais, tu t'aimes au petit rayon de soleil. C'est sûr que je le sais, t'arrêtes pas de me le dire. Excuse-moi. Excuse-moi d'abord. Les enfants, allez, je vois, y'a. Oh, ben, si c'est de la belle visite, ça. Oh. Wow. Napoléon. Présente Marianne. Bonjour. Marianne, ben, c'est Marianne. Non, mais il y avait du belle, regarde-moi donc ça. C'est pas mal, hein? Ça me coupe le souffle. Arrêtez ça, vous allez me gêner. Comment ça, vous? J'ai-tu l'air si vieille que ça? Viens, on va jeter un coup d'œil à la grange deux minutes. Deux minutes, ça pourrait prendre un bout, là. Comme moi, on pourrait prendre 6 mois. Ça me changerait les idées. Faut croire qu'il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. Viens-t'en. Marie-Jeanne, occupe-toi de ton frère et de tes sœurs. Il n'y a pas de danger, ils peuvent pas aller bien loin. Qu'est-ce que t'en penses, Elisphore? Oh, ben, tu me diras quand tu seras prêt, là, je vais te lever ta gorge. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée. Au lieu de se simplifier la vie, on se la complique, là. J'ai même pas le temps d'accoucher que je retombe enceinte aussitôt. T'es enfant par-dessus enfant, hein? Ça fait que s'il faut rajouter 20 têtes de bétail en plus, je suis pas sûre que je vais y arriver, moi. Déjà que Poléon a une santé fragile. Non. Moi, je dis qu'on devrait vendre tout ça puis aller s'installer près de chez vous, à Sainte-Philomène. Quand on a une famille, on peut se mettre s'en occuper, non? Avec la guerre, ça m'inquiète pas mal, moi. C'est vrai, ça. On sait jamais quand est-ce que l'Europe va débarquer ici, dans le village. Puis à part de ça, moi, je sais même pas qui c'est qui est contre ou avec nous autres. Moi, je dis que la guerre, ça a été inventé par les riches pour qu'ils viennent encore plus riches. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, un riche mourir à guerre? Bon, c'est pas... Il a fallu que je l'enferme dans la grange parce qu'il s'est fait arroser par une bête puante, pauvre petit. Oui, on va le frotter avec des tomates. C'est ça que j'ai fait, mais il aime ça coucher dans la grange. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens t'en. Mange. Oui, je sais que c'est ton cousin, là. Moi, cette femme-là, je l'aime pas. Elle me donne la chair de poule. Enfermer son enfant dans la grange à cause qu'il s'est fait arroser par une bête puante. Voyons donc. Faut frotter avec des tomates, tout le monde sait ça. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a bien du courage. En plus, Napoléon, il n'est pas une grosse santé.